À Berlin, au son d'une femme imam, des fidèles prient à la mosquée Ibn Rushd. Ici, hommes et femmes, voilés ou non, peuvent prier ensemble sans aucun problème. Une image qui peut paraître banale aux yeux des non-musulmans, mais une image encore très rare dans le monde islamique. Parmi ces fidèles, un imam français homosexuel. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 45 ans. J'ai grandi à Alger principalement. En Algérie, j'avais étudié donc, pendant 5 ans pour devenir imam à la madrasa. À l'époque, on avait la télévision par satellite française et donc je voyais des émissions, il y avait des gens qui témoignaient de leur homosexualité. C'était la première fois que j'entendais parler d'homosexualité. Donc ça m'a en partie rassuré parce que je me suis dit, tiens, je suis pas tout seul. Et en même temps, ça m'a stressé parce que je me suis dit quand même, ça n'est jamais nommé dans ma culture, enfin dans ma famille, mais ça a toujours été condamné. En 1995, fuyant la guerre civile, Ludovic Mohamed Zahed et sa famille émigrent en France. Ça te dit ? Oui. Quand je suis venu à Marseille, ça a été compliqué pendant 2 ans, ou après 7 ans que de spiritualité et ensuite d'études islamiques, je ne parlais pas et je ne pensais pas, j'essayais surtout de ne pas penser à ma sexualité. Donc concilier les deux, ça s'est avéré impossible à l'époque parce que je n'avais qu'une représentation très homophobe de l'islam en fait. Et c'est un peu à l'âge de 30 ans, je me suis dit tiens, j'ai perdu quelque chose que j'avais à l'adolescence, ce côté très émerveillé du monde, très passionné par la vie, par la connaissance, par les autres. C'est comme ça que je suis revenu vers la spiritualité, par le biais du bouddhisme, la méditation. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui encore. Et ensuite par le christianisme, en faisant partie d'une association qui nous accueillait à l'époque en tant qu'homosexuels musulmans, jusqu'à ce qu'ils nous aient aidés en 2010 à fonder notre propre association d'homosexuels musulmans de France, HM2F. L'idée, c'était de déconstruire les préjugés, les tensions, les idéologies fascisantes depuis l'intérieur de l'islam. Nous réapproprier cette tradition, ces textes, les redécouvrir finalement. Moi, j'ai découvert des traditions qui nous parlaient d'hommes efféminés, de femmes masculines, donc en arabe, mustarjila, mukhannath, donc qui pourraient être traduits par homosexuel ou personne trans, qui aurait été accueilli, alors j'en sais rien, j'étais pas là il y a 14 siècles, mais c'est dans la tradition la plus authentique de nos textes islamiques. Ces gens-là étaient accueillis chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, il les protégeait, il leur donnait du travail. Ça, je l'ai découvert à ma trentaine, quoi, quand j'ai relu tous ces textes et que j'ai essayé de chercher par moi-même des réponses dans nos traditions pour voir si vraiment l'islam était homophobe, misogyne, antisémite et fascisant, ou est-ce que c'est vraiment islam, donc une religion de paix. Dans sa quête de retour aux sources, ces 20 dernières années, Ludovic Mohamed Zahed est allé 5 fois en pèlerinage à la Mecque. En 2012, il filme même son voyage. Derrière sa démarche personnelle, il y a aussi cette fois une action militante. Le fait d'y aller avec ce groupe de musulmans progressistes, inclusifs, en 2012, je crois, d'être visible là-bas, dans le plus saint des lieux de l'islam, pour affirmer nos identités, même si on ne l'a pas crié sur les toits, mais ce n'était pas le but non plus. Bah, après, on l'a fait sur YouTube. C'était pas juste symbolique, c'était vraiment très important pour nous de le faire et de dire que bah, finalement, on est là.
et qu'il faut être habitué au fait que maintenant on est visible et qu'on prendra de plus en plus part, ce qui est le cas aujourd'hui, au débat en ce qui concerne la place de l'islam dans nos sociétés. On n'était pas là pour organiser des gay pride ou mettre des pancartes féministes sur la Kaaba. Non, ce n'était pas le but. Je pense que j'y retournerai pas, surtout avec tout ce que j'ai dit depuis. Mais en même temps, le fait de connaître l'islam théoriquement et de l'avoir vu évoluer ces dernières décennies de manière très concrète sur le terrain, moi, ça me rassure sur le fait que ce qu'ils nous vendent, entre guillemets, c'est pas l'islam. Le fait d'être tous pareils, habillés de la même façon, en noir ou en blanc, il suffit de regarder les peintures classiques, la poésie, la littérature du monde dit arabo-berbéro-musulman depuis des siècles, c'était pas uniforme, c'était pas en monochrome. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Droits des femmes, tolérance envers les homosexuels, ouverture aux autres religions. Cette vision d'un islam revisité, Ludovic Mohamed Zahed ne fait pas que la prêcher. Il l'enseigne aussi. Chaque année, il forme une demi-douzaine d'imams progressistes, hommes et femmes, venus du monde entier. So we have tools within Islam. It is to understand what kind of tools could be used without the entire edifice collapsing. So la formation dure 2 ans. Donc le premier niveau, c'est surtout les bases de l'islam, en fait, revoir les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la tradition du prophète, la tradition des autres religions. L'idée, c'est de déconstruire tous les dogmes, d'en faire vraiment une spiritualité émancipatrice. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que le divin, l'universel, sans associé, et que Mahomet est l'un de ses serviteurs et l'un de ses messagers. J'aimerais remercier l'association Couleur Gay et tous ceux et celles et autres qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, Haute en Couleur, une rencontre pétrie de diversité, d'inclusivité et d'empathie. Dieu est le plus savant. Wallahu a'lam. Amen. Merci à l'imam Ludovic Mohamed Zahed pour cette louange et je nous invite à nous lever et à chanter ensemble notre premier cantique « Nos cœurs te chantent ». Ce n'est pas juste un symbole ou des discours, c'est vraiment politique au sens noble du terme, au sens de « on vit ensemble, on prie ensemble, on discute ensemble ». On partage le pain ensemble après ces cérémonies-là. Donc c'est vraiment la réalisation dans notre quotidien d'un idéal dont on a rêvé parfois pendant des décennies. Amen. Mon frère, tu comptes pour moi. Amen. Merci pour ces belles envois sur la route du Seigneur encore. On va continuer. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça ne fait que commencer, j'ai l'impression. On est bien lancé, hein.
j'étais très croyante et très pratiquante. Ouais. Et quand j'ai appelé ma mère et lui dit « Maman, viol, je fais quoi ?» Elle m'a dit « Bah, c'est ton mari dans la religion, il a le droit, sauf qu'il n'a pas le droit. » Hadjar a 27 ans. Elle vit en France depuis l'âge de 10 ans. Musulmane, elle a beaucoup lutté pour s'affirmer en tant que femme libre au sein d'une famille très conservatrice. Ce combat-là, c'est pas qu'on se sent obligé de s'y impliquer, c'est qu'il s'impose à nous. Donc on n'a pas vraiment le choix. Il nous s'impose à nous parce qu'on a envie de changer les choses pour les générations à venir. Ah, j'ai pas envie de leur laisser un monde sans compréhension, sans respect mutuel, qui sont quand même la base de notre humanité, la base de toute spiritualité confondue. Et c'est aussi pour Dieu que je fais ça. C'est parce que je le dis haut et fort et j'adore ça, mais c'est pour Allah. C'est voilà. Iqra, apprends, c'est le premier mot du Coran. Si t'apprends pas, tu sauras jamais. Et donc si t'essayes pas de côtoyer des gens différents dans plusieurs milieux, bah tout est haram forcément. Donc oui, il faut aller rencontrer des gens comme Ludovic. Oui, il faut venir faire des choses comme ça. Oui, il faut ouvrir la parole dans les écoles, dans les établissements, dans toutes choses, pour justement essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'y a rien de mal à tout ça. Bon, la première fois que j'ai parlé de Ludovic à mes parents, et puis surtout à mon frère, il m'a dit « Non, c'est pas possible, ça peut pas exister. » Voilà, donc ça n'existe pas. Et la réponse était que moi, je suis sur un mauvais chemin. Et je suis forcément sur le chemin des enfers. C'était ça, la réponse. On en a marre d'avoir des problèmes sur notre sexualité, notre façon de penser, alors qu'on fait de mal à personne. C'est ça, le truc. C'est qu'on fait de mal à personne. Ce qui se passe dans nos lits, dans nos chambres, reste dans nos lits et dans nos chambres. Ça vous regarde pas.